Je m'appelle Marion Dubrasquet. J'ai réalisé mes études de CAP et bac pro au lycée Escurdi. Et oui, il y a quelques années, nous pouvions faire un CAP en 2 ans, suivi d'un bac pro en 2 ans aussi. C'est plus comme ça maintenant. Au cours de mes années de CAP, je me suis aperçue en réalisant des stages, de l'importance de savoir parler plusieurs langues dans notre région touristique. C'est pourquoi, après le CAP, j'ai choisi de faire un bac pro esthétique en section européenne espagnole pour pouvoir échanger avec la clientèle espagnole. Il n'y avait pas encore de mobilité comme aujourd'hui, mais j'ai pu réaliser un stage de 6 mois avec la DAST, qui est devenue aujourd'hui Aquita Pro. Comme j'avais étudié l'espagnol, j'ai choisi d'aller à Londres pour apprendre l'anglais. J'ai réalisé le stage de 6 mois dans un spa de luxe, puis j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai travaillé ainsi dans plusieurs spas de luxe pendant 2 ans. Ensuite, je suis partie pour me perfectionner en espagnol au Chili, où j'ai trouvé un emploi dans un spa de l'hôtel Ritz. J'y suis restée 2 ans. L'anglais aussi m'y a été très utile. Je suis revenue ensuite en Europe, en Andalousie. J'ai très vite trouvé du travail dans un hôtel 5 étoiles comme directrice de spa. Après 2 années, je suis rentrée en France. Et là aussi, j'ai très vite retrouvé du travail au spa, à l'hôtel du Palais à Biarritz, au spa. Donc, en parallèle, j'ai aussi construit ma vie, comme toi. Et je suis devenue maman. J'ai voulu un emploi me donnant plus de temps pour mon bébé et grâce à ma bonne connaissance des langues étrangères, je travaille aujourd'hui dans un office de tourisme dans les Landes. Ce que je veux vous dire à travers ce témoignage, c'est que le fait de parler des langues étrangères facilite l'emploi, que ce soit en Europe ou dans le monde. En partant à l'étranger, moi qui étais timide, j'ai gagné en autonomie, j'ai pris confiance en moi et tout ça m'a aidé à me surpasser. Maintenant, je suis trilingue, c'est un gros avantage pour notre région touristique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander mon contact Facebook à Madame Sigarrois. Merci.